Salut! J'espère que vous allez bien. Alors attendez, mon son, hop, comme ça, voilà, j'avais changé le micro, j'ai fait des tests. Tout va bien, vous m'entendez, on est safe. J'espère que vous portez bien, qu'il fait pas trop chaud chez vous. Alors moi, vous m'excuserez par avance, j'ai mis la clim dans mon salon pour pouvoir jouer sans mourir de chaud. Ce qui fait que vous entendrez peut-être un peu de bruit autour de moi plus que d'habitude. Puisque, un, bah, il y a la clim qui souffle, et de deux, et ben, la fenêtre est ouverte sur la rue. Donc vous entendrez les pimpons encore un peu plus fort que d'habitude. Bon, on va aller se donner un petit peu de frais sur un jeu. Ah, vous savez comme j'aime les jeux sortis de nulle part. Alors celui-là, il sort pas de nulle part, hein, mais c'est encore un simulateur, c'est encore une simulation d'un truc chelou. Mais que moi j'aime tellement, c'est un power wash. Alors c'est quoi power wash? Eh bien, je vais vous donner une marque, c'est un Karcher. C'est une simulation de Karcher. Mais vous allez voir, ne partez pas tout de suite. On va bien se marrer. Et surtout, je vais essayer peut-être de pas trop parler pour que vous puissiez un peu de profiter de l'ambiance. Hey, coucou shooter! Oh mamie, c'est pas gentil. Comment vas-tu? Tu viens prendre du frais avec moi? Bon, on est encore sur un jeu what the fuck, hein, mais comme je disais, on va essayer de se mettre un peu dans une ambiance satisfaisante. Moi, j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube de gens qui nettoient des tapis ou alors leur carrelage dans la cour. Vous savez, quand c'est bien crado, puis paf, on met un coup de Karcher comme ça et c'est tout propre. Voilà, moi, je trouve ça hyper satisfaisant. Et on est sur un jeu de ce type. Vous voyez déjà la petite camionnette là qu'on va pouvoir nettoyer le plaisir. Tu prends pas. Moi, ouais, bah moi aussi, comme je disais, hein, si un petit fond sonore de soufflerie à côté de moi, c'est parce que j'ai mis la clim dans le salon. En ce moment, c'est un peu indispensable quand même. Surtout quand on est dans une pièce avec un PC, ça chauffe de ouf. Et ben, si t'as une clim, c'est cool pour toi. Copain de clim, yes. La clim en stream, c'est la vie. Ouais. Après, on n'a pas encore pris des couleurs, hein. C'est vraiment le début de l'été là. Va falloir sortir un peu. Alors, juste une seconde, hop, parce que j'ai vu que c'est un jeu en QWERTY qu'on ne peut pas changer. Donc, je passe mon ordinateur en anglais, ça c'est fait. Présentation du jeu. On va nous demander de nettoyer des trucs, ça vous l'avez compris. Ensuite, on va pouvoir acheter des choses dans un magasin avec l'argent qu'on va gagner sur notre job. Parce qu'on va quand même gagner de l'argent, on ne fait pas ça gratos. Et ainsi de suite, comme ça, améliorer notre stuff pour nettoyer encore plus facilement et encore plus satisfaisant. Nous sommes sur un accès anticipé, mais que quand même relativement stable hein, comme jeu. Il n'y aura pas des grosses mises à jour de folie. On est donc sur un mode carrière. On va faire, mais il y a aussi un mode jeu libre où on peut refaire les missions qu'on a faites. C'est assez classique. Si vous m'avez vu jouer à j'ai plus le nom au jeu où on refait des carrelages, où on nettoie, on change les fenêtres, plein de trucs comme ça, et ben on est un peu dans le même genre. On est un peu dans le même genre. Attendez, j'ai le chat, c'est le chat qui est sur mes jambes, j'ai pas envie de le rouler dessus. Voilà. On est un peu dans le même genre de jeu que Home, je ne sais plus quoi. J'ai un trou. T'as déjà la flemme de nettoyer ta voiture. Tu m'étonnes. Mais tu sais quoi? Moi, je pense que j'irai pas nettoyer une voiture pour de vrai. Surtout que vous allez voir les jobs combien on est payé, c'est payé que dalle. Par contre, dans un jeu, ça passe. Allez, on va. Pour le moment, on n'a qu'une mission. Je pense que c'est une mission tuto. Voilà, on va gagner 150 dollars pour nettoyer cette saloperie là. Alors sur le jeu, alors moi, je pense que 150 dollars pour nettoyer ça, c'est bien payé pour un jeu. Dans la vraie vie, regardez l'état quand même. Dans la vraie vie, c'est toi qui payes pour nettoyer. J'avoue qu'on le fait pas nous-mêmes, hein, dans la vraie vie.
Du moins, si c'est une voiture, on passe dans les machines, dans les car wash, quoi. Je pense que ça, en fait, ça commence par je lance son entreprise et je viens d'acheter une camionnette dans mes moyens aux enchères, mais elle est un peu dégueulasse. On va essayer de la nettoyer pour se faire une petite camionnette d'entreprise pour ensuite aller démarcher chez des voisins pour faire des jobs. Allez, on commence. Il me semble qu'on commence avec un Karcher. Moi, je vais appeler ça un Karcher. Je sais que Karcher, c'est une marque, mais on connaît tous ce mot. Et je sais qu'on commence avec un Karcher un peu de bas niveau, quoi. Donc, on va galérer. Alors, ok, il n'y a pas de tuto, on m'explique que dalle. Il faudra que je regarde les touches. Oh, c'est puissant! Oh, c'est puissant! Ok. Là, je. Ok. Et je change d'embout. Alors. Ah, c'est nice, hein! Par contre, ça nettoie pas beaucoup, hein. Ah, c'est bien ça. Bon, je pense qu'il va falloir retenir les couleurs, hein. Je vais baisser un peu le son parce que moi, dans mes oreilles, le son est dégueulasse. Tu vends mal ton truc, le cachère pas cher, tu attires du monde. C'est la satisfaction de nettoyer qui est importante ici. Regarde, regarde comme ça brille. Regarde comme c'est beau. Attends, j'ai baissé un peu la sensibilité de ma souris. Voilà. Ça va le son? Nettoyer. Balayer. Astiquer. Casa toujours fait beau. Ah, j'ai nettoyé un clignotant, j'ai gagné 1 dollar. Waouh! Attendez, je vous montre, il est où le shop? Il est là le shop. Donc on peut acheter des Karcher, regarde. Encore plus puissant! Celui-là n'existe pas encore. Encore plus puissant pour 2000 dollars? Je le veux. Le pognon qui tombe. Alors sous ces airs de camionnette vraiment pourrie au début, on est quand même sur de la belle camionnette en fait, hein. Voilà. Alors par contre aussi niveau économie d'eau, zéro, hein. Zéro pour la planète, hein. Vas-y, essaye la mienne pour voir si le pognon tombe. T'es mort en regardant. Alors ça nettoie pas des masses. Hein. Ça nettoie pas super bien. Ce... Ah si. Et nettoyer ça aussi. Hey, 1 dollar pour un rétro. Il y a un œil sur la vitre. Il y a un œil sur la vitre. Ah ouais, quand tu t'approches comme ça. Bonjour. Je te suis du regard. Ah, faut l'imaginer hein, quand même, hein, mais effectivement. Ouais, 2 dollars pour la portière. On va nettoyer les jantes. Et les pneus. Alors, est-ce qu'on nettoie des pneus normalement? Non. Est-ce que je peux m'accroupir? Oh! Faire ça bien. Faire ça comme les pros. Voilà, ça c'est fait. J'adore. J'ai vu le camping-car de mes rêves aux enchères. Il est tout crémeux. On dirait un gâteau au caramel sur roue. Il y a des gens qui donnent leur avis sur notre travail en cours. Je ne sais pas si j'ai envie de le conduire ou de le croquer.
On est sur des psychopathes qui veulent manger les voitures. Voilà. Alors si je m'approche trop, ça ne veut plus utiliser le karcher. Hein. Ça a peur que je m'aveugle. Nous sommes sur un petit escabeau pour faire le dessus de la voiture. Coucou Valt, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Comme d'habitude, Valt, tu connais mon amour pour les jeux bizarres. On va changer de... Regarde. Regarde comme c'est beau. Et propre. Le van est aussi haut que Mimimati. Eh non, je suis sûre que le van est plus haut que moi. Regarde. Mais non, mais regarde, je te montre. Je pense que si je fais ça... pour nettoyer, tu vois, ça va pas être simple. Alors que si je fais ça... Que je monte dessus... Fais confiance au marchepied. Parce que il faut nettoyer partout, partout, partout. Il faut pas oublier un recoin. Ok. C'est comme quand on prend sa douche, hein. Faut pas laisser un recoin sale. Arrête la droite, Zanny. C'est-à-dire. Ah là, oui, ok, la droite. J'arrête la droite, promis. Mais c'est pas satisfaisant de voir un camion se faire nettoyer. Attendez, on va gagner un dollar avec le rétro. Hop là. Le pot d'échappement, est-ce qu'il y en a un au moins? Ça devrait, hein. Tu veux bien t'accroupir ou tu veux pas t'accroupir? Ah ok, c'est pas... je crois que c'était chiffre, mais pas du tout. Il n'y a pas de pot d'échappement sur cette voiture. Nous sommes sur une voiture hybride particulière. Il n'y a pas de pot d'échappement. Par contre, on va faire ça. Faudra une petite musique avec... musique d'ascenseur là. Ça serait bien dans le thème, une petite musique d'ascenseur. Non, c'est pas satisfaisant. Alors, on n'a pas le satisfaisant pareil tous les deux. Quoi, ça fait déjà 17 minutes que je suis dessus? C'est pas possible. Arrêtez. Tu as pas fait... Non, il n'y a pas de pot d'échappement. Ah, mais c'est vraiment... En plus, il y a mon logo déjà dessus. Yeah. Powerwash service. De quoi c'est du vol? Qu'est-ce que du vol? N'empêche, à utiliser le karcher comme ça aussi près, je dois être trempée, moi. Mais vous voyez, je n'ai pas de corps. Je n'existe pas. Est-ce que je m'envole? Non. Pas d'échappement. Pas d'échappement. J'avoue que je sais pas comment fonctionne. Comment il fonctionne, ce van. Mais c'est que c'est pas très propre, tout ça, madame. Ah, on est mieux. Ah, on sent les dollars qui tombent dans la poche. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le psychopathe? Je vois un camion de déménagement devant la maison de mes voisins cauchemardesques. Ils s'en vont enfin. J'ai pas vu la suite. Regardez la beauté du travail. On a tout le reste à faire. Hein. Déjà, profitons.
voyez la beauté de cette camionnette que nous avons achetée aux enchères pour notre travail de Power Wash Service. Je n'arrive pas à faire tomber le nain. Je suis en train d'arroser le papier toilette. Je suis intelligente, hein. Oh, il y avait une échelle aussi. J'arrive pas à monter dessus pour le moment. On va aller nettoyer ceci. C'est un peu long. Attendez, il n'y a pas moyen de tourner ce truc-là. Attendez. Les touches. Tu viser, changer d'embout, utiliser nettoyeur, le compteur. Ah, pivoter l'embout. E. Ah oui, mais c'est pas le bon E. Voilà, nice. C'est qu'on devient experte. Bon, ça, j'ai pas réussi à nettoyer, du coup, j'ai pas gagné d'argent sur ce truc-là. Ah, mais il y avait, regardez, il y a du sale caché. Tintin! Faut trouver le sale caché dans ce jeu. C'est beau, c'est beau, c'est beau! Alors là, on est sur du karcher pas assez puissant. On n'est pas assez puissant là. On le sent. Je suis trop proche. Hop, 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 hop. Là, c'est beau, c'est brillant. Ah, j'ai vu qu'on pouvait aussi acheter des petits produits. Genre du produit à bois, du produit à vitre. Yes. Ting. Les sous qui tombent, les sous qui tombent. Ça, c'était satisfaisant. Vous allez utiliser ce nom commercial? Vous avez besoin de moi pour en trouver un. Harper, c'est bizarre comme gars. C'est ça en haut? Ouais, j'ai pas fini, mais attends. De toute façon, faut qu'on prenne l'escabeau, le marchepied pour faire en haut là. Déjà, si on peut faire bien ce côté-là, hop, on va finir bien l'arrière et on va finir le haut. Enfin, on va commencer l'arrière et le faire en entier. Il te faut ton marchepied, Mimi. Ah, ok. J'aime entendre les dollars tomber dans ma poche. Pour un travail bien fait. Oh, tu résistes la tâche. Alors dans la vraie vie, je suis assez grande, hein. Je suis 1m70.
si grande que toi. Elle a pas clignoté la porte ici. Hein. Ça y est, on a tout. Arrête-toi, arrête le jet. Ah, par contre, je suis en train de remarquer qu'en haut, ça me dit que ça c'est du verre, super, super le jeu. Et que ça c'est du métal, ok le jeu. C'est vachement bien de me dire ça. Et ça c'est du verre. Mais surtout, on est en fait à 95% de nettoyé. Ah, il y a quand même un statut, genre le corps là, il reste un petit peu à nettoyer. On va prendre le marchepied de Mimi. Le petit marchepied de Mimi qu'on va mettre au milieu. Et il y a une tache là. Et là aussi il y a une tache. Voilà, on est bien. Là aussi il y a une tache. Qui est maniaque ici? Pas moi. Non, non, non. T'as vu un moustique devant? Il a un coup sur les vitres. Voilà. Yes! Alors, par contre, quand on finit de nettoyer un truc, que le jeu il estime que c'est satisfaisant en termes de quantité nettoyée, il m'enlève les autres tâches. Je suis désolée, le jeu, tu me voles mes tâches. Je n'aime pas ça. Le jeu me vole mes tâches. Alors attendez, parce que... Ah, fenêtre. Bien vu, shooter. Cette fenêtre n'est pas clean à 100%. Alors, comme je comprends pas où c'était sale, j'ai pas vu. C'est fait. Je suis à 99% du travail fait, hein. Faut qu'on trouve où il y a encore du blanc dans la barre là-haut. Ça, c'est quand même... Qu'est-ce qui n'a pas cligné? Forcément, un truc bizarre. Ah, il y avait des plastiques, des fenêtres. C'est pour ça que j'ai pas... Ah, j'ai trouvé. Le pneu est encore sale. Ah, bah oui. Ah, il y en a encore. Oh, l'enfer. Le pneu est propre. Mais là, je suis sûre d'avoir vu cligner tout ça. On va dire cligner. J'ai fait le tour là. Qu'est-ce qui reste à nettoyer? Je te moque de moi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais effectivement, dans Home Flipper, voilà, ça me revient. Dans Home Flipper, des fois, on avait du mal à trouver les dernières tâches à faire. Parce que genre il restait un bout de peinture dans un coin pas fait, des bêtises du genre. Mais là franchement je trouve vraiment pas. Hein. Sur le dessus. Non mais corps du métal, corps métal 100%. Portière plastique. Je crois qu'on va. Ah ouais, mais si je suis pas à 99 pour... Si je suis pas à 100%, j'ai pas les 150, c'est ça? Ah, l'arnaque. C'est pas moi. C'est pas moi. Je déteste les nains de jardin. C'est pas moi, j'ai rien fait. Il était déjà mort quand je suis arrivée. Bon, sans blague, c'est 1% me casse les pieds. Tiens, on va te nettoyer le nom.
Ouais, qu'on peut le faire rebondir pour qu'il tombe par terre. Ouais, je me sens mieux, je suis tout propre. Non, il veut pas. Pas les pieds. Non, pas les pieds. Au moins, t'as les pieds propres. Quand tu rentres chez moi, tu te nettoies les pieds au Karcher. Normal. Bon, sans blague, où est-ce qu'il pourrait rester quelque chose que je n'ai pas nettoyé, qu'on n'aurait pas cligné, qu'on n'aurait pas fait tiding. Oula, je m'aveugle. Le dessous. Bah. Tu crois que. Il est où le bouton? Tu crois que je peux soulever le. Là, il y a un truc rond, c'est chelou. C'est pour l'évacuation. Ah non, c'est pour l'évacuation d'eau, ces trucs-là. Ça, là. Là, on est sur des pneus. Ouais, c'est ce que je me demandais, s'il n'y avait pas moyen de lever. Mais non, regarde, il n'y a pas de système. Ça, c'est le système de la porte du garage. Il fait beau dehors. Il y a du monde. Il n'y a personne. On peut tout foutre en l'air, ou presque. Oh, pas de bruit, je suis déçue. Bon. Parce qu'on a un job à finir quand même. Sinon, on n'aura pas tous nos sous. Desperate Housewife. Je suis assez d'accord. Nous sommes dans une petite banlieue chic. Mais non, mais les enjoliveurs et les roues, je les ai toutes faites. La roue, la roue. La roue. Ah, j'ai coincé. Le pneu, c'est fait. Non, les pneus, c'est fait. Peut-être. Ça aussi, je l'ai fait digne, ça. Ah! Oh, mais non, mais il m'en manque encore! Ça y est! Yes, c'est bien. Escape. Nous avons nos 150$. Oh, il y a un petit replay comme ça. Nice. Nice le petit replay. Tu dois le sortir pour le valider. Non, faut vraiment nettoyer les trucs que tu as sous les yeux à 100%. Mais tu vas voir, maintenant, on va partir. C'est des missions incroyables. Des missions digne d'un professionnel. Ne bougez pas, nous sommes experts. Et nous avons gagné 150$. Nouveau. 400$. Alors là, vas-y. Mets tes habits. Mets ta salopette, shooter. On y va. J'espère que tu bois. Il faut boire. Il faut bien s'hydrater en ce moment. Enfile ta salopette, monte dans la camionnette, on va nettoyer un jardin. Au 213 de Walnut Street, à Buckingham. Ça sonne très anglais, tout ça. Bon, j'ai pas envie de lire, ça m'intéresse pas trop, en fait, les petits contextes qu'ils ont mis autour du nettoyage. Tu as peur. Non, tu veux pas être déguisé en salopette. Eh ben, mets pas de salopette. Mais quoi, un boulot de travail? Parce qu'elle est la même chose, hein. Mais ça rimait, ça rimait. Salopette et camionnette, ça rimait, c'est sympa. Ça me rappelle les trois frères. Oula, c'est très sale, madame. Madame, il s'est passé quoi chez vous? Il y a eu un feu ou quoi?
Même la niche, c'est dégueulasse. Non, mais il s'est passé quoi? Comment on peut avoir une maison aussi propre et un jardin aussi dégueulasse? Il s'est passé quoi? Bonjour les voisins. On saute super haut, hein. Il s'est passé quoi là, madame? C'est quoi l'accident? Même la maison d'oiseau est pourrie. Un crassou. On a tous un voisin crassou. Oh, la voiture du gamin, dis donc. J'étais presque sûre de trouver le gamin crevé en train de cramer dedans. Je suis un peu des idées. Oh! Oh! T'as vu ce que je vois? Il y a un chat. Il y a une minouche. Il est parti le chat! Eh, tu sais quoi, je suis sûre qu'ils ont mis ça pour qu'on tire dans le champ avec le quartier. Le gamin est dans la piscine. Tu crois que c'est la piscine? Non, c'est une fontaine, ça. Il n'y a pas de piscine. Bon, on commence par quoi dans ce bazar là? Parce que dis donc, il y a du boulot, je vous le dis, hein. Ah, on a notre escabeau Mimi. Il s'est barré en voyant. Bah, en même temps, il était tranquillou sur la maison dégueulasse, le champ. On va commencer par ici. Alors, le haut des escaliers, c'est quoi que t'appelles le haut des escaliers? Bah ici quoi. De toute façon, on va tout faire, hein. Parce que si on veut notre 400 dollars, ah, ils sont sympas. On est payé déjà rien qu'à venir. On a déjà gagné 150 dollars. Ah non, c'est mon total, ça, peut-être. Alors, est-ce que le bois se nettoie bien? Ça va. Ah non, mais le patron qui nous parle à côté, ça va. Là où tu es. Moi, c'est ça. Ah ouais. On n'est même pas payé à venir. Alors, j'ai peur qu'il y ait des trucs qui coincés du sale. De toute façon, on va faire le plus gros et puis on reviendra pour les détails, hein. Je pense que ce jardin va être magnifique quand nous aurons fini notre travail. Oh, je sens l'arnaque. Non, tu veux pas que je... Tu veux pas que je pose ça, non? Ok, dans l'herbe. Ok, dans l'herbe. Pose-le dans l'herbe si t'as peur. Non, ça va, c'est pas ça là-dessus en fait. Si. Non, c'est pas ça là-dessus. Yes! Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau. T'as vu le niveau de concentration extrême? Moi, je fais mon travail correctement, monsieur, dame. Quel que soit le job, moi, je suis concentrée. Ouais, il reste plein de tâches. Bien sûr. Il y en a tout le dessous là.
Il y a eu un gros effort de fait sur le son, hein, dans ce jeu. Par contre, mon panneau, il n'est pas validé en entier. Vous êtes sérieux? Moi, je vois pas de tâche sur le reste de ce panneau-là en lui-même. Bois. Imagine un chipendel sur la paroi. Mais bien sûr. J'ai trouvé où c'était encore sale. Voilà. On est beau. Ah, la satisfaction. Allez, celle-ci, je vais la faire en verticale. Le proprio n'apporterait même pas un petit truc à boire, hein, par cette chaleur. J'ai pas vu le dessus là validé. Il y a le sommet, et il reste un petit truc à nettoyer. Ça y est. Et le panneau. Allô? Ouais, le panneau, il... Je l'ai validé le panneau parce que je le vois même pas. J'ai bugué sur le sommet de la clôture. Bon, on est propre, je crois. Même si j'ai un truc bizarre là. Ah, c'est une tache ça. Ou c'est le bois? Non, c'est le bois. Un bon travail bien fait, messieurs, dames. S'il vous plaît. Il y a un petit bout dessus. Regarde la qualité de ce jeu. Avec l'eau qui brille sur le bois et qui disparaît. C'est beau. Ah bah si, il reste un petit truc là. Je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est moche. Arrête. Regarde. Oh. Ça brille sous le soleil, cette eau. Oh. On fait la niche. J'ai envie de faire la niche. Voilà, déjà la gamelle du chien, pauvre chien. Et nous, il est pas là le chat, il est pas. On va s'accroupir. Il est mort, mais arrête. Pas le chien. Le gamin, ok, mais pas le chien. Alors, où est-ce qu'il reste des tâches? Bien penser à tous les recoins. Voilà. On est bien là. Le chien a déménagé à cause du chat. Pourquoi j'ai pas... Ah, c'est les murs de la niche en entier qu'il faut nettoyer. Ok. C'est parti. On fera le toit après. On va juste s'assurer que les bords là, hop, soient bien faits. Le karcher, c'est magique. Hein. Prochaine fois, fais-tu à mon gosse. Mais tu sais que le pire, je l'ai vu gratos sur le Epic Game Store, hein, comme tout le monde. Même si à la base, il coûte pas extrêmement cher. Sauf qu'en fait, je n'aime pas ce jeu.
Je n'aime pas ce jeu. Peut-être qu'un jour je me forcerai pour faire plaisir. On va ça va valider vite. Hein. Mais moi je ne suis pas un loup. Moi je suis un chat. Oh c'est beau. Comment ça se nettoie bien ça? Un peu chelou leur niche quand même, non? Et voilà, nous sommes sur une niche magnifique, toute propre. Mais tu n'es pas un chat. Ouais, zut! Tu l'as vu. Ça se voit, je ne suis pas un chat. Je suis un chat dans l'âme. Je continue à bosser hein, en attendant parce que, comme tu vois, ça n'avance pas. Je viens de voir que je viens d'y passer 20 minutes et j'ai fait 6%. Je pense que pour finir ce jeu, il va nous falloir environ 25 lives. Allez, shooter, choisis la prochaine étape de notre nettoyage. Je te montre un peu comme ça. Choisissez vos bordures étincelantes, votre piscine spa sans poisson rouge. La corde, il n'y a pas de corde. Pas de corde. Ou la balancelle pour vos nuits d'été accompagnées de votre amoureuse. Alors moi j'ai très envie de nettoyer ça, mais je te laisse choisir la prochaine étape. Ah bah voilà, la piscine. Merci d'avoir choisi ce que j'avais envie de nettoyer. Eh mais en fait je fais des saloperies là, marcher moi, ici. Regarde, j'ai mis des traces de pas partout. Non, c'est pas moi, c'est. Ils sont dégueulasses ces gens. Eh oh, vous êtes dégueulasses? Bon, ils me payent bien. Allez, on va commencer par le bas. Non, 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 on commence par le haut quand on nettoie les choses. Parce que la saleté dégouline. Allez, on va commencer par le bord ici. Je crois que ça va être long, hein, parce que c'est en rond, c'est pas régulier. Pas changer de. Là, c'est plus large, mais. Ah, si, ça part bien. Ah! Nous sommes sur du lichen. Du lichen qui a incrusté les rochers. Ils ont fait caca dans le spa. Je suis désolée, effectivement. Je ne suis pas responsable des patrons, hein. C'est dégueulasse, caca, désolé. Je ne suis pas responsable, je suis là pour nettoyer. Hein. Moi, je suis la femme qui travaille dans les jeux vidéo. J'aime travailler dans les jeux vidéo. Et je crois que j'ai trouvé mon astuce là pour nettoyer bien. C'est un peu pour ça que je transforme les mots, mais des fois ça m'échappe aussi. Je pense qu'il y a des taches sur les rochers là, va falloir qu'on prenne quelque chose de plus puissant. Regarde, le lichen là. Il résiste bien. Mais limite, on reviendra. Bon, on fera ça après, on va continuer notre nettoyage de gros. Alors non, pas parce que je suis grosse, mais en gros, le gros nettoyage. Appelle les pompiers. Pourquoi? Ils ont une grosse lance. Ah, j'avoue que limite le Karcher là, c'est pas suffisant hein, pour des gens aussi dégueulasses. Ah, va falloir que je mette les pieds dedans. Allez, on y va. On est là pour travailler, hein. De toute façon, on est en tenue, hein. Allez, on va nettoyer ce gros truc, ce gros pâté là. Ok, je pense qu'il nous faudra un peu plus de puissance. On voit toute la puissance, shooter.
J'ai comme l'impression que ça ne suffira pas. Ok, j'ai que... oh, ça va être l'enfer. J'ai que celui-là qui arrive à enlever ces tâches-là. Et bah, il est tout petit. Il fait qu'un petit point. Regarde. Bah, on va s'amuser. On peut pas acheter un truc là. Et où je chope. Alors les nettoyants, on a vu, c'est un peu trop cher. Par contre, les équipements. Les nouveaux embouts. Est-ce qu'on peut pas avoir un embout puissant mais large? Ça fait bizarre dit comme ça. Augmente le débit. Un embout puissant mais large. Attendez deux secondes, je regarde un truc. Ok. On a combien? On a 174 dollars. Ah, un embout rotatif. Est-ce qu'on essaye un embout rotatif? C'est intéressant. Ça va permettre d'élargir la surface de nettoyage tout en gardant une pression maximale. C'est plutôt nice, non? Un embout 0 degré, c'est quoi ça? C'est technique, hein. Nous sommes des experts, nous maîtrisons. J'ai presque envie d'essayer celui-ci. Ah, mais il y a des infos. S'il vous plaît. La graisse, coriace, tenace, la surface. Ah mais non, ça, ah, ça marche avec ça et je n'ai pas cet appareil. Donc nous allons devoir acheter un qui marche avec mon appareil. Bon appétit, shooter. Merci d'être venu. Merci beaucoup. N'hésite pas à repasser. Je n'ai pas cet appareil non plus. Ok, on va partir sur un truc pour mon appareil. Donc on est sur des trucs bleus. Je commence à capter les couleurs. Non, c'est ça, moi je suis en bleu. Améliore la portée. La portée, je m'en fiche. Améliore la portée. Je m'en fiche. Ok, bah c'est ça. On achète ça. 15 dollars. On va pas se ruiner. Hein. C'est pas la ruine. Ah, c'est ça. Ah, par contre... ah ouais, c'est ce qu'il me fallait. Allez, on nettoie, on nettoie. J'ai jamais vu... j'ai jamais vu ce genre d'embout, moi, sur les Karcher. Bon, je suis pas spécialiste du Karcher dans la vraie vie. Hein. Par contre, je suis convaincue qu'on va oublier des endroits avec ce truc-là. C'est fourbe. On va faire du calme. Et on va profiter de notre nettoyage en écoutant les petits oiseaux. On va faire ça. Non, par contre, c'est l'enfer celui-là. Je profite sur les tâches qui s'arrêtent.
teste les meilleurs mouvements avec ce truc. En horizontal, c'est pas génial. On est mieux comme ça. Bon, ça va nous prendre 3 heures hein, de faire ça. Nous avons bien mérité nos 5 dollars. Radin. Relativement propre et pourtant on n'en est même pas à la moitié. Je pense que celle du bas compte ou l'extérieur. Du coup, on va aller là. On va enlever ces taches là. Et on va continuer le reste du bassin. On verra bien s'il faut revenir ici. Ouais, parce qu'il y a tout ça là. Je pense que c'est tout ça aussi. Alors, attendez. Ça nettoie quelque chose, ça? À peine. Hein. Faut que je sois proche. C'est mieux. Il y a un truc bizarre, c'est que comme je n'existe pas, c'est comme si j'étais en train de voler là. Allez, on va faire le gros du travail. Et finir en rotatif. Je suis une experte. Une nouvelle mission disponible, j'ai impressionné un voisin. Il fait par mon travail de qualité irréprochable. Quoi de neuf? Vous aimez les motos? Tu aimes les motos? Bizarre ces voisins. Ok, je pense que nous allons partir au gros. Arrête, stop, arrête. Ouh, ça fait mal aux oreilles des fois. Hein. Je pense que nous allons partir au Karcher rotatif. Enfin, je reconnais si c'est celui-ci. Non, je vous demande juste, même pas 30 secondes. Il y a Shooter qui m'écrit sur Discord en me disant qu'il est content de m'emmerder en stream.
Moi, tu m'as fait beaucoup rire Twitter, si on passe par là. Voilà. Allez, je remets ça en visu. Pourquoi il y a ça là? Ah oui, j'ai oublié de fermer ça. Touk touk touk. Allez, c'est reparti. Nous y sommes. On va commencer par ça. Je pense que cette mission-là, je l'arrêterai jamais. Hein. Je vous jure que le bac là, je le trouve trop dur, trop long, pas satisfaisant. En dessous, c'était déjà propre, j'ai l'impression. Sauf ici, hein, sauf ici là. Mais là, ah, j'ai fini les. Nous avons fini le mur du bassin, messieurs dames. On va faire un peu de travail de précision comme ça. Le dessous, vous voyez. Vous voyez. Il n'y a pas plus puissant. Ouais, c'est ça, c'est plus puissant ça. Si jamais des tâches tenaces. Bah non, les pierres, c'est fini. Mais nous avons fini. Nous avons fini la magnifique chute d'eau. Incroyable. Le liner du bassin. Ils vont bientôt pouvoir remettre des poissons dedans. Ou leurs enfants, comme ils veulent. Magnifique. Oh là là. On va faire cette petite portion là. On va la nettoyer avec quoi? Je pense qu'on va partir avec celui-ci. J'arrive pas trop à savoir lequel des deux est le plus puissant. Entre le vert et le jaune. Mais non, tu me rates. Faut prendre son temps. Laissons l'eau faire son travail. Vous voyez, là, je vais être obligée de repasser parce que les bords se font pas. On va repasser sur les bords, hein, c'est pas grave. On va continuer le gros du travail. Alors c'est bon. Le marche-escalier me gêne. Oui, ce n'est pas un marche-escalier dans la vraie vie. J'ai envie de l'appeler comme ça. Je pense qu'on aura besoin ici, mais pas trop pour le reste. Ah si, peut-être pour le parasol. On nous a offert des petits cailloux. Bien. Ça m'a rapporté combien? J'ai pas vu. Ah ouais, 50 centimes. Ça mérite pas qu'on y passe trop de temps. Hein. Celle-ci qui est plus grosse, ça rapporte plus? Non, même pas.
Bien, regardons à quoi cela ressemble. C'est très beau. Alors, je vais partir comme ça. Et je vais faire tout mon bord. Je me demande s'il n'y aura pas l'extérieur à faire pareil. Non, nickel. Mais ici, c'est marqué, j'ai dû le faire ceci déjà. Ah, satisfaction? Satisfaction. Prochaine étape, inconnue. Non, ça c'est dans The Long Drive. On va faire cette petite portion là. Ici aussi, nous sommes sur du lichen résistant. Vous avez vu, c'était orange. J'ai tout nettoyé. Je pense que c'est pas fini parce que la bordure doit être liée à celle-ci. Mur de soutènement, voilà. Bon allez, on va finir à finir ce bord-là, quand même. Tout ça là c'est pas fini mais je pense que c'est lié au reste, non? Ah, ou en dessous. Ça c'était magnifique. On verra ce qui nous manque. Faire les marches ou le haut parce que si on fait ici la terrasse faut qu'on fasse tout hein. On va faire la clôture, c'est parti pour la clôture. Dans quel sens, comme ça ou comme ça? On va faire comme ça. Moi je suis en joie de faire ça. Et de une. On va se bouger. Excusez-moi la table. Oh, je viens de voir les chaises et la table, ça va être l'enfer en vrai. À nettoyer. Moi j'ai eu un jardin et mes chaises de jardin, je nettoyais de temps en temps, c'était casse-pied. Ah, mais il y a les poteaux individuellement. Hein. Donnez-moi les sous, on achète un nouvel appareil. Je pense, juste, je m'interromps deux secondes. Je pense qu'on ne va pas acheter. Je vous montre mon idée. Où est-ce que. Voilà, les nettoyeurs. Nous, on a un léger comme ça. Il y a un moyen et il y a un intensif. J'ai pas envie d'acheter le moyen qui coûte 1250 $. Parce que l'intensif, il coûte 2000 $.
Et du coup, j'ai pas envie d'aller acheter d'un intermédiaire qui va me coûter bonbon pour rien. Sauf si je peux éventuellement revendre celui-ci. Ouais, mais non, il rapporte rien. Je pense qu'on ira acheter directement celui-là. À 2000. On fera pas 1250 de gâchis. Alors c'est dommage, comme je compte mettre la vidéo sur YouTube après, parce que c'est là où vous serez plus nombreux à la regarder, j'ai pas envie de mettre la musique pour faire strike la vidéo sur YouTube. Par contre, je suis en train de voir que j'ai... je baisse vachement ma tête comme ça, pendant que je suis concentrée. Du coup, ça donne un point de vue assez bizarre. Je vais essayer de vous montrer un beau visage, quand même. Enfin, beau. Dans le sens sympathique. Allez, on va faire ça. Ça, je pense que... Oh, si. Si on y va tout droit. Ça va faire du chat. Le bas là, ouais, c'est difficile de trouver. Bon, on fera le bas après. Mais c'est une chaise qui me dérange. Oh, excusez-moi. Je me suis trompée de touche. D'ailleurs, c'est quoi cette touche? Charge actuelle. C'est la valeur de mon matos actuellement. Alors, ah bah voilà, je m'en doutais. Vous voyez tous les bords là dégueulasses? Les bords cracra. Il va falloir faire et dans ce sens-là, dans cet angle-là, et dans cet angle-là. Alors du coup, on va peut-être le faire comme ça. Ça passe bien. Nous sommes des professionnels. Nous maîtrisons. Par contre, c'est juste celle-là, là. J'espère qu'ils m'ont pas mis là parce que je le vois pas. Hein. Ah, il y en a là aussi. De toute façon, on va aller par l'autre côté, hein, à un moment donné. Je tente dans le doute, même si je vois pas ce côté. Oui, ça le nettoie quand même, ouais. Et le treillis, ça me dit quand même que je suis vachement loin d'avoir nettoyé. Hein. C'était de l'autre côté. On va devoir marcher dans les fleurs. Je vois, il y a des fleurs. Là. Il y a des petits coins là. Allez, vas-y. Le bas, j'étais repassé. Hein. Ouais. Bon. Je pense qu'on est bien propre. C'est juste qu'il va y avoir l'autre côté. Ouais, il faut nettoyer aussi ce côté-là. C'est le même, ouais, c'est le même. C'est bien ça. On fera les deux côtés après avoir fini ça. Alors, est-ce que il n'y a pas moyen de... Non, ça, non. Ça, c'est un peu... Ah, mais ça suffit, ça, hein. Il est super large, mais il suffit pour nettoyer le bois. On va super plus vite. Je ne parle plus français. Ah ouais, non. Ah ouais, non, ça reste sale. Je suis obligée d'attendre que ça sèche, en fait, pour voir si c'est bien propre. Non, on va rester sur ça.
Ah, mon poteau, finish. Hey Doc, j'ai croisé le gardien du parc. Il a vraiment besoin de votre aide. Ok. Comment on dit ça? On est dans la maison d'un docteur, hein? C'est chelou. Un poteau, c'est good. Bon, je pense que. C'est marrant, le treillis là est plus nettoyé que l'autre. Peut-être oublier des morceaux. Alors, on va y aller dans ce sens-là déjà. Coucou Juju, bienvenue. Je suis en train de me rendre compte que mon son est super bas. Parce que moi, j'ai un petit peu baissé le son de l'eau qui me vrille un peu l'oreille au bout d'une heure. Comment vas-tu? Est-ce que tu aimes la satisfaction de voir les choses se faire nettoyer? Ah oui, c'est très fort. Alors ce jeu est en accès anticipé sur Steam, donc il est déjà téléchargeable. Il coûte 20 €. Donc il faut vraiment être un fan du genre. C'est un peu comme du House Flipper, mais juste le ménage en fait. Je sais pas si tu connais House Flipper, qui est très satisfaisant aussi comme jeu. Hein. Mais là, on fait aussi le jardin et on fait aussi tout l'intérieur d'une maison, mais que ce soit au niveau peinture, carrelage, équipement et tout. Mais là, on est sur un accès anticipé et plutôt, ça marche plutôt super bien en vrai. Hein. Et puis merci pour le follow au passage. Bienvenue. Alors, je fais souvent des jeux à histoire, hein. Mais moi, j'ai une passion pour les simulateurs un peu chelous comme ça. Que ce soit la pêche, la maison, la décoration, le nettoyage. Je t'en prie, je t'en prie. Alors ça j'ai fini. Ah, il y a les sommets de la clôture. FS19, ça ne me dit rien. FS19, est-ce que c'est une abréviation FS? Est-ce que c'est Flight Simulator 19? Ah, Farming Simulator. Ah non, ça... J'ai dû passer dessus, mais ça me dit rien comme ça. Parce que le jeu de simulation... Attends. Mais si c'est ça, c'est les Farming Simulator. Oh si si, j'y joue pas, mais je connais. Je connais. Mais c'est vrai que j'y joue pas, par contre. Mais c'est parce que tu vois, quand je te dis qu'il y a des jeux de simulation... Ah, ça a tout nettoyé. Ok, d'accord. Là, tu me parles de Farming Simulator. Farm Simulator. C'est quand même un jeu hyper sophistiqué, en fait. Ça va très très loin dans la passion... de l'environnement que c'est en train de simuler. Donc on va très très loin. Là je suis quand même sur un jeu, on fait que du Karcher, hein, tu vois. Parce que nous sommes experts en Karcher, et le Karcher c'est quoi? C'est effectivement, il y a d'autres embouts. Attends, je te montre si tu veux. Ça c'est l'embout qui tourne. Il est super puissant, mais il fait une taille respectable. Là c'est vraiment le tout droit. Là, on est sur un premier jet large. Alors, je peux les tourner aussi. Et là, on est sur moins puissant, mais plus large. Et là, on est encore sur moins puissant, mais encore plus large. Genre pour les sols, quoi. Alors après, on a différents types de tâches. Hein. Tu vois, là, si je fais ça, je vais enlever effectivement la saleté. Mais je vais pas enlever le lichen. Et puis même la saleté, un peu dure. Hein. Alors, je suis quand même sur un... Je te montre le shop en même temps. Je suis quand même sur un nettoyeur de premier niveau, hein, sur du nettoyage léger. Et comme tu vois, on peut en acheter d'autres. Alors, il n'y a pas le professionnel parce que je pense que soit ça va arriver plus loin quand je serai plus compétente en jeu, soit c'est pas encore mis en place parce qu'on est sur un accès anticipé. Moi, je veux acheter celui-ci. Donc, il faut que j'économise.
Alors, on peut aussi acheter du coup différentes choses comme des produits pour nettoyer plus facilement un certain type de matière, mais également des équipements. Donc ça, c'est pour vaporiser des produits, je pense. J'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est pour vaporiser des produits et d'autres embouts. Alors, tu vois que les embouts bleus comme ça, c'est ce que je peux a priori acheter pour mon appareil. Voilà, ça, ah non, ça marche pas avec mon appareil. Faut regarder la comptabilité quand même, la compatibilité. Car mécanique, j'aime beaucoup. Alors, j'y ai pas joué, mais j'aime beaucoup car mécanique. J'en ai regardé un peu. On est un peu sur le même, sur la même idée, mais dans un autre genre. Bon, on va finir notre treillis. Alors, du coup, ça, c'est quand même pas assez puissant. Hein. Là, il marche bien pour le treillis. On est beau. Est-ce qu'il y a encore des trucs Alors, je sais pas si tu vois en haut. Je glisse ou quoi? En haut à gauche. Bon, alors 44%, c'est le travail que j'ai effectué dans tout ce que j'ai à faire. Donc, tu vois, il y a encore beaucoup de choses. Mais tu vois où c'est marqué treillis? C'est tout en bleu. Ça veut dire que j'ai tout fini le treillis. Sinon, voilà, il reste du blanc. Donc, moi, j'étais en train de faire mon treillis et je crois que. Il est où mon escabotte? Ouais, je l'emmène là-bas. Je crois qu'on va pas se faire avoir. J'irai bien vérifier un truc. Parce que ça m'a marqué que j'avais nettoyé un haut de poteau. Je me demande si on n'a pas caché un piège ici. Non, c'est bon. Non, c'est good. Hop là. Et ben on est bien. Moi, je vais finir le petit mur là. Ça sera fait. Alors, je vais le faire comme ça. Ça passe, ça va plus vite. J'ai quand même l'impression que ça nettoie pas bien. Qu'il y a des petits rebords qu'il va falloir pas oublier ici. Et bien sûr, là. Toutou, la satisfaction. La satisfaction. Oula, j'ai sauté, mais un bon. Lise haute du mur de soutènement qui est pas fini. Alors là, ah bah ça passe. Quand je suis proche avec tout ça, ça passe. Parfait. Il manque le haut là, je pense que c'est ça qui manque. Ça doit être de l'autre côté que c'est ça. Bah non. Là, on est sur le patio. Il y a un mystère là. Attendez. Je l'ai fait là-dessous. On est d'accord. Alors là, bah on reviendra, on verra parce qu'il manquera quelque chose ici. C'est le haut du mur de soutènement là qui manque, vous voyez, lisse, haute du mur de soutènement. Il me manque un sacré morceau et je vois pas où il peut être. Où il peut être. Je parle plus français. Je vais boire un coup. Parce que moi, ça me paraît quand même plutôt propre. Le mur, lui, en lui-même, il est propre, mais pas le haut. Il doit y avoir un bout que je vois pas quelque part.
Excusez-moi, je bois. Il faut que vous buvez aussi. Fait tellement chaud. Peut-être ici? Non. Non, bon, on repassera pour le reste de ce mur. On sait qu'il est là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai envie de terminer le haut, hein. Du coup. Ne tombons pas. La sécurité avant tout. Ah, il a une autre couleur, le parasol. Hein. Je suis trop proche. Coucou, Stab. Comment ça va? Bienvenue. Ça te va si je t'appelle Stab? Et si ça va pas, tu me le dis. Hein. Je prendrai quand même. Ça va, ça se nettoie vite, parasol. Ouais, trop proche, je pense. Hop. Oui, Ménouche. Je pense qu'on va avoir un piège sur le bord. Hein. Je peux dire sto, tout simplement. Ça marche, sto. Qu'est-ce qu'il y a, Minouche? Tu as chaud? Alors, je sais pas si vous avez des animaux. Mais moi, j'ai un chat. J'ai Minouche. C'était quoi, ce vrai? On n'est pas dans un film d'horreur. Et en fait, j'ai mis la clim dans le salon. Du coup, elle vient pas dans le salon. Et elle se plaint d'avoir chaud. Parce qu'elle est écrasée comme une carpette dans le couloir. Donc, ce qui veut dire qu'elle a chaud. On va penser au bord là, parce que je pense que le premier j'ai oublié le bord. Ça fait bien l'effet tissu mouillé quand même. Oh Minouche, tu fais de l'équilibrisme. Non, tu t'en vas finalement. Ok. Minouche, je peux pas venir me voir. C'est vraiment la décennie des simulateurs. J'avoue. Tu en connais ou tu as joué à d'autres simulateurs? Alors, celui qu'on est en train de faire là, pour Overwatch Simulator, il surfe quand même sur deux vagues. Hein. Deux vagues. La première vague des simulateurs, de manière simpliste, au-delà du fait qu'il y a déjà eu des simulateurs. Hein. Mais les vraiment simulateurs simplistes, focus sur quelque chose de très particulier. Mais aussi sur la vague... de la satisfaction, de tout ce qui est satisfaisant. Quand on regarde des vidéos de gens en train de nettoyer leur jardin au Karcher, quoi. C'est trop cher pour ce que c'est. J'avoue que c'est 20 euros ce jeu-là. Et que j'ai peur qu'il soit trop court pour les 20 euros. Je suis pas sûre qu'il les mérite. Mais par contre, il y a un jeu que j'ai acheté et que je regrette pas d'avoir acheté dans le même genre. C'est House Flipper. J'étais vraiment satisfaite. Après, je crois que j'avais eu en réduction sur Steam, les réducs de novembre ou de décembre. Ah, je suis trop proche. Continue mon petit ménage en papotant. Hein. Parce qu'il faut qu'on avance, on est à 48% en haut. Tout ça pour 400 $. Ah bah ça, c'est tout nettoyé le reste, ok. Pas mal de bruit, hein. Par contre, c'est noir, mais c'est parce que... Ah, mais c'est parce que c'est noir, non? Ou c'est noir? Non, il y a du sale et du noir en fait.
Non, c'est pas noir, c'est sale. Attendez, on va changer d'embout. Tu aimes bien, toi, contrebande police? Je connais pas du tout. Alors, j'ai déjà vu un simulateur de police. Je pense pas que c'était ce nom. J'irai voir. C'est un peu. Ça va pas du tout mon histoire. Voilà. Ce n'est 300. Toujours pas fini? Non, et toi? As-tu fini de manger? Non, regarde, on a fait des bonnes choses. Hein. Regarde, je te nettoie la table pour que tu viennes prendre ton dessert sur la terrasse. Ah, simulation de douanier. D'accord. Donc c'est pas du tout le commissariat de police que j'avais vu. Oui, le mini short. Je suis désolée, j'ai essayé, mais je n'ai pas de corps physique. Sur le Discord, j'avais essayé de mettre un petit accrocheur pour que les garçons déferlent sur mon live. Je leur ai dit que j'allais nettoyer des voitures sous le jet d'eau. Mais ça n'a pas marché. Enfin si, ça a marché pour Shooter. Stop. On n'est pas dans un clip. Dans un clip de musique. Ouais, on est sérieux ici, on est des professionnels. S'il vous plaît. Bon, on peut pas pousser les chaises là parce qu'elles vont être casse-pieds à nettoyer ces chaises. Je peux monter ici? Je peux pas sauter sur. Bon, allez, c'est parti. Est-ce que ça va suffire hein? Ah bon, elles vont me casser les pieds les chaises. Je le sens. On va faire les quatre faces l'une après l'autre. Elle est presque finie, il reste pas grand chose. Ah bah ça va, ils ont été sympas. Tu es la Nicki Minaj de Twitch, écoute. On va danser mais je danse pas si bien, moi je suis un peu rouillée. Hein. Nicki Minaj. Je vais vous faire une danse avec mon balai. Ça va être hyper sexy. Nous sommes des professionnels de la danse au balai. Ah non, dans ce jeu-là, j'ai pas de balai. Pour ça, il faudra que je vous fasse un petit live House Flipper. Secrétaire. Je suis très bonne secrétaire aussi. Tu demanderas à Kader. Il manque un petit bout, voilà. Bon ça va, ils ont été. Oh là oh là là, j'ai oublié le dessous de la table. Ah les crados ces gens. Auto qui passe, j'y peux rien, je suis désolée. C'est ce que je dis la secrétaire qui avait une terrasse. C'est des crassous. Pas bon pour la planète toute cette eau, hein, gaspillée. Moi je dis les chaises. Quand j'avais un jardin, je disais toujours à mon ex, mais laisse les chaises sous la pluie, nettoyage naturel. Qu'est-ce qu'on s'embête? Franchement, si t'en es à moins de 2 heures de jeu, tu peux demander un remboursement. Si tu sens que t'en as fait le tour. Ah non, non, j'en ai pas fait le tour. Et moi j'adore ce genre de jeu. Je l'ai pas acheté par erreur, hein. Vraiment. Je me connais. Je l'ai pas acheté par erreur. Après, je suis d'accord qu'on peut trouver que ce jeu n'est pas passionnant. Parce qu'il faut avoir le truc, le déclic de pourquoi on aime ce jeu. Pour aimer ce jeu. Je sais, c'est un peu bizarre ce que j'ai dit, non?
On va. Tu veux pas te relever? Voilà. Et le joli coin terrasse, messieurs, dames. On va bientôt pouvoir lancer le barbecue, quoi, qu'il faudrait nettoyer. Ah bon. Parce qu'il est là-bas, il est un peu crade, hein. On va nettoyer le sol. Justement, la catégorie pool tube te permet de faire ce que tu veux. Encore catégorie swimming pool. Comment ça, je vais me faire ban? Je suis en train de faire du ménage dans un jeu vidéo tout à fait sérieux. Et moi, je suis habillée, parce que je suis habillée, hein, en mode été, mais je suis habillée, on ne voit rien, on est propre. On va nettoyer le sol ici. Et je pense qu'on sera sur une terrasse bah, nettoyée. Qu'est-ce qu'on va prendre comme la pipette? La pipette, on stream la cigarette électronique? Attendez. Il y a jaune, vert et blanc. On va prendre le blanc. On va voir si ça nettoie bien. Moi j'ai le droit. Moi aussi j'ai le droit. Vous savez que. Oh, non, ça marche pas très bien. Vous savez que c'est pas interdit, hein, de fumer sur Twitch en live. Même des cigarettes, là, bon, la cigarette électronique passe d'autant mieux. Mais c'est pas interdit de fumer des cigarettes sur Twitch. Hein. À partir du moment où en plus t'es plus de 18 sur ta chaîne. Voilà. Mais les streamers souvent ne le font pas, par respect pour leurs viewers. Mais moi, je vais pas vous mentir, hein, comme j'ai au maximum 2 ou 3 viewers à chaque live, je pense que c'est des habitués qui sont habitués, pour le coup. Ça rapporte masse auprès des chacals qui se tripotent devant leur écran. Ah oui, la nouvelle. Ouais, mais tu sais, ça rapporte masse à Twitch aussi. Et moi, je dis toujours que si ce domaine en particulier peut rapporter de l'argent pour que à côté on puisse continuer à stream du jeu vidéo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faut toujours quand même que ce soit cadré. Et je sais que Twitch cadre. Mais j'espère qu'ils n'ont pas une certaine tolérance. Parce qu'hier soir, je sais pas si vous avez vu. Mais je réfléchis, il y avait au moins 2 streams ASMR, auditif, léchage d'oreilles. Et il y en avait 55 000 sur une chaîne et genre 28 000 ou 30 000 sur l'autre chaîne. J'ai halluciné. Le pognon que ça a dû générer hier soir. Moi, il y avait déjà N, mais il y en avait une autre. Je vous jure, ils ont trouvé leur truc leaking là, alors que moi cet appareil là, c'est. Je l'ai déjà vu en fait, vous allez rigoler. C'est pas pour lécher des oreilles. Elles ont détourné ce truc, mais d'une manière ouf. En fait, c'est un micro. C'est un micro, mais binaural. C'est un micro à deux oreilles en fait, de manière à ce qu'on entende le son en stéréo. Pour savoir si le son qu'on enregistre vient de gauche ou vient de droite. Et la première fois que j'ai vu cet appareil, c'était genre il y a déjà plus de 2 ans, dans les vidéos, vous allez rire, dans les vidéos de chasseurs de fantômes. Voilà. Ils utilisent ça pour savoir d'où venaient les bruits des hypothétiques fantômes qu'ils entendaient. Et ben maintenant, il y a les streameuses coxines hein, qui l'utilisent pour faire du léchage d'oreilles pour les fétichistes. Voilà. Moi, je dis bravo l'intelligence. Alors, vous m'écrivez quoi? Ça rapporte masse. Vapoter, non, c'est pas interdit, mais pour les jeunes comme Bis, il faut. Si tu veux, je rajouterai une petite mention sur le bas de mon stream. Fumer nuit à la santé. Il y a une grosse photo qui est passée. Ne commencez pas. Ouais, elle fait aussi, effectivement. Mais tu sais que par contre, ça, c'est un peu plus bizarre parce que. Normalement, pour le coup, Twitch n'autorise pas les streamings dodo. On n'est pas censé se filmer en train de dormir. Bon, après, si elle se réveille dès qu'il y a un follow, un abo ou un truc, peut-être que ça passe. Des fois. De toute façon, je pense que celle que tu cites là, elle génère tellement d'argent à Twitch
qu'elle doit avoir un contrat particulier avec eux en vrai. Ouais, c'est ça, elle dort pour de faux. Elle fait du cinéma. Ah ouais, c'est un jackpot pour Twitch, elle est toute seule. Hein. C'est clair et net. Après, moi, je vais pas juger. Hein. Je préfère qu'elle fasse ça sur Twitch plutôt que dans la rue à risquer sa vie. Hein. Par contre, c'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi sur Twitch alors qu'à la base, c'est pour les jeux vidéo. Mais les jeux vidéo, peut-être que ça rapporte pas masse. Sait-on jamais? On connaît pas leurs finances. A priori, ça se porte pas mal. Ça nettoie rien, ce truc. Je suis pas satisfaite, là. Tu m'attends dans la catégorie quoi? Alors, si tu veux, je fais comme plein de gars qui s'amusent. Ils prennent leur cam en mode écran vert et ils se posent au milieu d'une piscine. Moi, si tu veux, tu me trouves un gif piscine, je me mets dedans. Il n'y a pas de souci. Elle faisait du cosplay. Mais ouais, je crois que c'est ce qu'elle faisait, ouais, aussi. C'est ce qui me semble. Mais quand elle a vu que se balader en mini-shirt, ça rapportait bien plus sans aucun budget ni fort. Bah, le stream, il y a quand même un budget, hein, mais c'est vrai que c'est pas un budget. Enfin. Et c'est sale ici. Je me suis coupée dans ma phrase. Je suis désolée, ça m'arrive souvent. Le stream, ça peut être un budget relativement petit. On a des cams à 30 euros, un micro-casque, ça fait l'affaire. Après, il faut un ordinateur, mais si t'en as déjà un à titre personnel qui supporte des jeux plus du stream, bon, bah ça passe. Elle a dû se faire. Oui, et en plus, là, on parle de gens qui ont des contrats. Hein. Toi, perso, tu subes les petits streamers. Non, mais c'est bien. Après, faut surtout supporter les streamers qui vous apportent. J'ai pas trouvé le mot, je suis un peu fatiguée ce soir, on dirait, c'est la chaleur. Qui vous apporte ce que vous recherchez, vous, sur Twitch. Il y a des gens, ils vont rechercher peut-être du jeu compétitif, de trouver le top 3 mondial de ceci, de cela. Ça, si c'est votre kiff, eh ben, il faut supporter cela. Et puis si votre kiff, c'est plutôt de regarder des petits streams de jeux tranquillou, chill, ben, faut supporter cela. Et limite, j'ai envie de vous dire, quel que soit le nombre de personnes qui les regardent déjà. Dis pas, t'as chaud. En plus, non, mais en plus, c'est vrai, j'ai la clim. Mais je pense que j'ai pris un coup de chaud quand même cet après-midi. Même si j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas mentir. Alors, attendez, je vais faire ça comme ça. Yes. Technique! Nous sommes des professionnels. Ouais, par contre, là, c'est moins. Nous sommes. Ah, oh, zut, il reste un. Oh non, il reste un bord, je vais devoir repasser. Tu es la Chixoie FR en femme. Non, je fais pas assez de 7DS pour être Chixoie. Je pourrais, hein. Franchement, je pourrais exploiter hein, cette DS pour me faire un public. Et je dis ça depuis plus d'un an. Hein. J'aurais pu hein, si j'avais voulu. Mais j'ai pas envie d'être une streameuse dédiée. C'est un choix. Hein. J'ai pas envie d'être une streameuse dédiée à un gacha. Et j'ai juste envie de me faire plaisir en fait, avec vous. Je sub à Amazon Prime, juste tranquille. Pas avoir là. Alors moi je les supporte pas, j'ai pas fait de sub chez eux. Par contre, je regarde leur chaîne de replay sur YouTube. Je regarde pas tous les jeux parce que j'aime pas tous les jeux auxquels ils jouent. Mais j'en ai regardé pas mal, on va pas se mentir. Voilà, je stream ce qui me plaît. C'est pour ça que des fois c'est un peu bizarre mes switches de jeu. Je suis un coup dans l'espace, un coup en train de nettoyer des vitres. C'est un peu bizarre. Mais c'est parce que j'aime les deux types. Le car wash. Non, mais en fait, il me faudrait un simulateur de station-service maintenant. Allez, faut que je réclame ça aux indépendants qui font des jeux comme ça. Est-ce que. Non, mais vraiment, je peux pas avoir un embout plus. Et que ça marche comme ça, là?
qu'on n'y passe pas 3 heures. Yes. Non, pas yes. Si, yes. Yes ou pas yes? On va passer plusieurs fois. Hein. Allez, je me concentre 2 secondes pour avancer un peu dans ma terrasse parce que bah c'est long. J'ai entendu un avion, non? C'est le moment de le remettre à la mode. Justement. Oh, excuse-moi, remettre quoi à la mode? Le car wash, c'est fini par contre. Non, moi je voudrais un simulateur de station-service. Il faut gérer à la fois et les gens qui viennent se servir de l'essence et les gens qui viennent faire des courses, acheter des trucs dans votre magasin de station-service. Et voilà. Zany, créatrice de jeux depuis 1980. Un boule, hein. Alors sachez qu'ils ont mis une sécurité, je ne peux pas courir avec mon karcher à la main. Voilà. C'est pour pas qu'on s'empale au karcher, ça. Parce que nettoyeur de karcher, on risque sa vie tous les jours. Ah, une nouvelle mission. Alors je sais pas si j'ai envie d'aller au parc, moi, parce qu'on m'a dit que le gardien allait pas très bien. On va nettoyer ici parce que là, il y a des trucs qui nous gênent. Je rappelle que mon objectif actuel est d'arriver à 2000 $. Hein. Là, moi, ça me donne mal au cœur. J'espère que vous, non. Je viens de perdre mon cerveau. J'ai oublié Cooking Simulator. M'a hypé à fond et que j'ai acheté, j'ai joué 1 heure en tout. Ouais, ça c'est pas un bon investissement ça quand même. Alors il y en a eu plusieurs des simulateurs de bouffe comme ça. Cooking Simulator, faudrait que je regarde lequel c'est. Moi il y en a un que j'avais beaucoup aimé. Mais je crois que c'est pas Cooking Simulator. Moi j'avais beaucoup aimé, le principe c'était ces petits jeux mobiles là. Où en fait t'as des clients qui viennent et ils te disent je veux une glace rose avec un cornet et des bonbons par-dessus. Et toi rapidement tu composes ce qu'ils commandaient et tu lui donnes. Et comme ça les clients ils défilaient et puis des fois t'étais hyper short parce qu'il y avait beaucoup de clients. Et là t'es. Ouais voilà, c'est ça, tu me parles du plus réaliste. On a vraiment l'impression d'être dans une cuisine quoi. Ouais, c'est les petits jeux mobiles en flash. Donc moi j'ai parlé, tout ça. Moi j'aimais bien cela, de toute façon j'aime bien tout ce que c'est mieux. Et quel que soit le gameplay proposé en fait. Enfin attention, simulation, les petites simulations. Après, moi personnellement, hormis ma console NES quand j'étais petite, le premier jeu PC que j'ai vraiment possédé pour ma part. À moi, c'est-à-dire pas à mes frères, mais à moi, c'est Sim Simulator, le premier du nom, qui se jouait sur DOS. Et je crois que j'ai accroché tout de suite à la simulation. Ok, on va pouvoir continuer notre. C'était ça là ou c'était non? Ah, je m'en doutais que j'allais me taper la chaise. Hop.
Nous sommes des professionnels. Vous voyez la maîtrise. La maîtrise de l'espace pour gagner en efficacité. Alors je peux pas faire demi-tour parce que j'ai pas la place. Ah mais si, on va faire ça. Comme ça on pourra faire demi-tour. On va se créer l'espace justement. Par contre ici c'est vraiment dégueu. Quel pro. Quel pro. Oui. On n'aura pas vu, non. Non mais. Quelle technique de mettre Bac plus 17 en nettoyage de Karcher. 25 ans d'expérience. Bon, faut être patient, hein, comme tout. Moi je dis que ceux qui nous ont embauchés, ils vont être contents. Ils ne vont pas reconnaître leur jardin. Je me rends compte que j'ai fini par partir vraiment de travers, non? Oh, pas tant que ça. Qui est là. Faut que je fasse attention quand même. Oh, ça va. On a encore 40 minutes. Je pense qu'on va finir. Je pense qu'on va avoir fini cette mission. Et que limite le live touchera à sa fin, quoi. Ça veut dire qu'on y passe un temps de monstre. Que on fera pas genre 3 missions par soirée. Je vous ai dit, hein, 25 heures de live sur. Sur Power Wash Simulator. Après aussi, peut-être qu'on est long parce que j'ai pas encore le meilleur outil. Si ça se trouve, à un moment donné, je pourrais être là puis faire et ça serait fini. Là, je suis quand même à moitié dans une obligation d'être proche. Je vous montre, vous voyez ? Si je fais pas vraiment ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire baisser comme ça, ça nettoie pas bien. Bon, on va le faire dans ce sens-là. Waouh, je suis dans le vide. Waouh. Waouh. Ah, je m'en doutais. Hey, coucou Shigo, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Ah mais Shigo, tu vas encore te moquer de moi. Pour mon choix de jeu.
Très bien, écoute, très bien. Il fait chaud, mais je pense que chez toi aussi. Oh là là, oui. Ah ouais. Je crois que pour le coup, là, on est tous logés à la même enseigne. Oh bah dis, ça a tout nettoyé d'un coup tout seul. Alors ça, j'aime pas. Hein. Laisse-moi nettoyer mon truc, le jeu. Voleur de tâches. Au moins aujourd'hui, tu as... Ouais, il y a eu du vent aussi, moi, là où je suis. Il y a eu du vent aussi. Mais par contre, chez nous, là, c'était un vent chaud. Magnifique! On est à 74% de nettoyer. Mais je pense que ce qui nous manque, c'est bah, le reste du jardin. Oh là là, on va profiter de notre travail vite fait. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Si tu savais à quoi ça ressemblait ici, Chigo, juste avant que je passe. Chez toi, bah écoute, profite bien de ce vent frais. On va se baisser un peu. Tu trouves ce jeu génial? Ah, c'est cool. Je croyais que t'allais me dire, mais Azani, à quoi tu joues encore? Avec tes simulateurs bizarres. Et voilà, on est propre. Les marches sont nickel. Nickel. On va nettoyer la petite bordure, là. Ça arrose les plantes en même temps. Hop là! J'ai gagné 50 centimes. Je suis heureuse. Bon, ben, je crois. Je suis en train de perdre ma voix. Je crois qu'on est bien pour la terrasse. Elle est magnifique. On va aller faire des petits objets tondeuse, voiture de l'enfant, barbecue, maison d'oiseau. Ça, et puis la cabane. Quand tu le passes à la maison, il faut 1000 ans. Bah, écoute, là, on est sur de la simulation. Il faut pas 1000 ans. Mais nous sommes équipés comme un pro. Regarde. Waouh. Waouh. C'est quoi ça, c'est mini? Ouais. Pas loin d'être mini. Ah. Si c'est ça. C'était pas juste noir. C'était quoi ce bruit? On aurait dû y avoir un oftalgène qui s'ouvrait. Ouais, j'avais compris, Chigo. Mais mine de rien, on va passer le Karcher dans sa propriété. Selon qu'on a plus ou moins grand, ça peut prendre beaucoup de temps. Je suis trop près. Bon, il en reste encore hein, sous la voiture. Je sais pas où est-ce que c'est. On va aller perdre à l'intérieur. Je pense que l'extérieur est plutôt propre. Ouais. Nickel. La voiture pour enfants est étincelante. Au moins, là, il n'y a pas de trou. Ah, mais on est en vrai, on est en réalité sur une tondeuse neuve. Ou pas loin. Et ah oui, elle aussi, elle brille. Hein. On est sur de la. Oh oui, on est sur la tondeuse de compète. Hein. Carénage en acier chromé, s'il vous plaît. Alors tu fais ça dans la vraie vie, toi t'es trompé. Hein. Qu'on soit d'accord. C'est les techniques de pro ça. Hein.
Mais clairement. On va acheter ici. Tadam! Une magnifique tondeuse en vrai. On a dit la maison pour oiseaux barbecue. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de recoins chelous sur la maison pour oiseaux. Genre si tu vois. Tu vois les petits recoins hein, comme ça qu'ils nous mettent. Ça, ce sont des pièges dans ce jeu. Parce qu'ils ont mis de la complexité dans le jeu. Ah, elle est rouillée notre maison. Attendez, on va partir sur ça comme ça. Le support est encore tout froid d'eau. Est-ce que genre ce sont des tâches que je dois pouvoir enlever si je me rapproche? Je suis trop proche. Eh, t'as vu les pièges? Il faut être minutieux. Il faut être dans le détail. Alors attendez. Voilà. Aucune tâche ne me résiste avec mon rotator. Et surtout, je peux m'approcher. Alors là, je fais ça dans la vraie vie. Une fois de plus, je me suis trompée. Hein. Je fais concours de t-shirt mouillé. Hein. Celui que Shooter voulait. Je raconte des bêtises. Au début, je m'étais dit, ouais, je vais faire un live où je suis calme, où je parle pas trop. Pour ceux qui aiment, comme moi, profiter de la satisfaction de voir quelque chose se nettoyer puis s'en profiter. Résultat, je raconte connerie sur connerie. Elle est finie, le pied est fini. On va repartir sur... comme ça. Ah, attendez, on va. Oups. Ouais, ouais, on enlève la rouille au Karcher. C'est nouveau. Karcher incroyable. Enlève même la rouille. Si seulement c'était comme ça. T'as vu hein, la petite tache de rouille là? Franchement, ça c'était incroyable. Mais pas crédible. Bon, il manque pas grand chose sur le nichoir apparemment. Mais je sens le dessous des tuiles moi. On va s'accroupir, on va faire ça. Bingo. Tadam! Tadadam! Le barbecue. Ça se trouve, il va être étincelant. Oh, ça brille. Hein. T'as vu les effets de le soleil qui nous éblouit dans la tondeuse? Je pense, j'ai envie, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter. Et heureusement, j'ai promis à un ami d'aller faire mes démons 7DS vers minuit. Du coup, déjà, c'était 23h30 minuit, du coup, je vais m'arrêter à minuit, c'est sûr. Je bois un coup en même temps. Buvez aussi. Je suis désolée pour les bruitages. Non, non, on va finir le jardin. C'est sûr qu'on a le temps de finir le jardin. Mais moi, il n'y aurait que moi. Il n'y aurait que moi. Je passais ma nuit sur le jeu. Je ne veux pas vous mentir. Que moi, je passais la nuit sur le jeu. On va partir avec un jet un peu fort. Non, les barbecues, c'est tout gras. Ah yes, il est brillant aussi. Il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il reste des tâches. Je pense qu'il va falloir passer au jet tournant. On va déjà faire le gros du travail. Franchement dégueulasse ce barbecue. Ah mais on a ça aussi à faire là. Ça, on est à peu près propre. On verra s'il en reste. Tu
J'ai fait un Kirby, c'est quoi un Kirby? Enfin un Kirby, je vois ce que c'est, mais j'ai fait un Kirby. Que vous avez presque fini, le mes fils s'impatiente. Ah non, sont impatientes d'y aller. Parce que j'allais dire, arrête de mettre la pression. Hein. T'as vu comment t'es dégueulasse, mec? Attends, il fallait au moins 3 jours de boulot dans la vraie vie pour faire ce que je viens de faire là. Un Kirby? Excuse-moi, je sais pas ce que c'est. Explique-moi ce qu'est un Kirby. Ouais, là, comme ça, je... Un Kirby, c'est au golf, non? C'est au bowling. Le petit truc rose... Ah, ben oui, c'est ça, un Kirby. C'est un jeu... Oui, ouais, c'est... Ok, c'est bien l'idée que j'avais initialement. Coucou, Menma. Bienvenue, comment vas-tu? Ok, non, ça y est, oui, mais le Kirby, ouais, je vois. Oula. Comme tu vois, je suis en grand nettoyage le printemps. Nous sommes des professionnels très sérieux. Bah avec deux portes du barbecue quand t'as fait. Ah d'accord, j'avais pas vu, écoute. Je regarderai le replay. Pour voir ce que tu me dis. C'est pas marrant de faire des trucs au hasard comme ça. Il a l'air vachement cool ce jeu. Écoute, ça me fait très plaisir si toi aussi tu aimes ce jeu. Ça veut dire que nous aimons les mêmes jeux. Tadam! Alors, il... patio. Ah, on va faire le patio. Je pense que le barbecue, il est fini. Oh! Que c'est beau! Alors, attendez, parce que... Zut. Voilà. Dans ce jeu, faut se méfier des angles. Hein. C'est fait exprès pour que tu les trouves pas. J'ai vu ça à ma première mission. Tellement satisfaisant. Mais oui. Tu es comme moi du coup. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Moi j'adore ça. Et j'aime autant le faire que le regarder. C'est ça qui est dingue. Faire ce dernier côté, on prend le dessus. Mais j'ai hâte aussi de pouvoir m'acheter les prochains embouts super puissants. Comme ça, je pourrais rester plus loin et profiter de mon karcher hyper puissant depuis, genre ici, quoi. Parce que si je fais ça d'ici, je vais rien nettoyer. Toi aussi, c'est comme Shigo. Shigo disait pareil. Et j'aimerais bien que super cher nettoie aussi de cette façon-là. Là, vous êtes chez les professionnels. J'arrête pas de le dire. Bon, on va faire comme on peut. Ouais, le bord, c'est good. En ardoise, c'est joli si c'est de l'ardoise. Et voilà. C'est beau. Eh, mais. Faut me le dire que j'ai pas tout fait le jeu. Oh bah. Et on appelle ça des professionnels. Bravo. J'avais oublié un plateau. Bon, de toute façon, là, on est à 82%. On verra bien ce qui nous manque. Mais j'ai peur que ce soit comme dans House Flipper. Et que ce qui nous manque soit dur à trouver à la fin.
Laisse-moi. Bon. Ouais, choisissez cabane ou balancelle? Cabane ou balancelle? Qu'est-ce qui vous plairait le plus maintenant? De toute façon, on fera les deux. Hein. Cabane pour Chigo. Eh ben, go cabane. On va prendre ça tout de suite parce que il va falloir faire le toit. Allez, c'est parti. On va garder ce jet-là. On va partir à l'horizon, à la verticale. On entend des voitures passer dans le jeu. Des voitures et des animaux et des chiens. Oh, Chigo, t'aurais dû voir ça tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je suis arrivée dans la maison pour faire mon travail, j'étais genre là. Et en fait, il y avait un chat sur le toit de la cabane. Mais quand je me suis approchée, il est parti. Je sais, Chigo, que tu es comme moi et que tu aimes les chats. Tu aimes les minouches. C'était Minouche. Ah non, c'était pas Minouche pour le coup parce que Minouche avait pas rousse. Et là, on était sur un chat clairement roux. J'ai l'impression de voir de la saleté là. Non, du tout. Tadam! Des sous, donnez-moi des sous. Ton chat est mort de chaud, il sait plus où se mettre. Ouais, c'est ce que je disais, la mienne aussi. Ah bah si, ça y est, elle a fini par venir dans le salon quand même. Parce que ce que je disais, c'est que j'ai la chance d'avoir une clim. Mais que quand je mets la clim dans ma chambre, Minouche, elle veut plus aller dans ma chambre. Et là, j'ai mis la clim, et du coup, elle est dans le salon, elle est éclatée au sol, sur le tapis, en plus, dans le salon. Et là, que j'ai mis la clim dans le salon, bah, elle est restée toute la journée dans le couloir. Pas logique, le chat. Elle veut pas profiter du frais. Mais là, ça me rassure, elle est vraiment à côté de moi. Au moins, elle prend un peu de frais, quoi. Avec le tien, il y a la cave qui est frais, mais il veut pas y aller. Ah ouais, ils sont pas logiques. Ils sont pas logiques, les chiens. Je suis désolée, par contre, avec les fenêtres ouvertes à côté de la clim, ça fait un peu de bruit des fois. Oh, c'est dommage. J'aurais aimé que ça fasse ting 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 quand je mets un coup de karcher sur ça. Ah, je m'y attendais, mais ça n'a pas fait ça. J'ai l'impression que les chats, ils aiment crever de chaud. Toi aussi, tu t'y attendais? Voilà, faudra qu'on le dise au dev. Faut qu'ils me mettent un ding-ding-ding. Tout à l'heure, dans mon garage, j'avais un nain. Mais j'ai pu lui mettre un coup d'eau, hein. Un coup de jet. Ça fait bizarre, dit comme ça. J'ai mis un coup de jet au nain. Vous savez, il y a l'effet mouillé qui persiste un petit peu. Oh là là, ça brille. Tadam! C'est rutilant de propreté.
On va faire Spanoula, Spanoula, Spanoula. Par contre, il y a du Tressane en bas là. Je me demande s'il va pas falloir changer d'embout pour le week-end. Non, c'est bon, ça passe. Et vous savez quand même qu'il y a des gens qui s'enregistrent en vidéo pendant qu'ils font ça pour de vrai. Et qu'il y a des gens qui les regardent ensuite, ces vidéos. On va nettoyer ça. Et je fais partie des gens qui regardent ces vidéos. Ça veut pas ça. Ah, c'est le toit. Ok, il faudra continuer le toit. Hop, 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 on s'énerve pas, madame. Il reste ce côté. Ça nettoie vachement le toit hein, quand je fais ça comme ça. Attendez. Voilà. C'est tout ça que je voulais faire. Voilà. Coucou, Kikuchi. Bienvenue, merci pour le follow. On est en mode... Attendez, on est en mode ménage. Hein. Oui, et toi, comment ça va? Est-ce que je pose la question à tout le monde parce que c'est un peu la question du moment, c'est est-ce que tu vas bien avec cette chaleur? L'autre jour, tu es tombé sur un TikTok où le mec nettoyait sa chaise de jardin au Karcher. Ouais. Et je suis convaincue que t'as regardé. Ça n'a pas duré longtemps, mais t'as regardé. Écoute, tiens, regarde, on se rafraîchit un peu au Karcher. Jusqu'au bout, t'as regardé. Tu vois, je te connais, Chigo. On nous traite de fous, mais nous ne sommes pas fous. Nous aimons les choses satisfaisantes. Il me reste des bouts de fenêtre qui sont là. J'ai des taches. Voilà. Ta-da-da. Ta-da-da. Ah, dis-moi, Kikuchi, tu es venu pour le jeu? Toi aussi, tu aimes le nettoyage? Attends, je veux qu'il me chatouille. Il me manque. Pourquoi il veut pas mettre mon curseur là? Il manque voilà, beaucoup de toit à faire. C'est maintenant qu'entre en jeu le marchepied. Mais tu glisses et tu glisses. Est-ce que je vais avoir assez de puissance? Ça va, mais on va pas repasser plusieurs fois. Après, je peux faire cet embout là. Mais il faut viser juste. Oh, tellement satisfaisant. Te moque pas, Chigo.
Alors, avec. En fait, ici, il y a juste des taches, j'ai l'impression. Non, c'est sale aussi. On va aller faire l'autre côté et on va voir ce qu'ils nous. Et à toi, arrête, ça ne veut pas s'étendre. J'ai paniqué. Et après, on verra ce qu'il nous reste sur la cabane. Ah, je suis un peu proche là, non? Je dois être près, mais pas trop quand même. Bon, mes bons amis, il ne reste plus rien de flat. Ah, bah si, là il reste la balancelle, c'est ça les 7%. C'est parti pour le dernier. Je rebois un petit coup. Pensez à boire. J'avais oublié la balancelle. Alors, on va partir sur un jet comme ça déjà pour commencer ça. Ah ouais, elles étaient sales les chaînes. Hein. Ouh là là! Nettoie bien ce petit jet là. Bon, les chaînes n'ont pas grand chose, c'est peut-être les montants. Pas du tout. De toute façon, comme on va passer du gros jet, peut-être que ça va finir les chaînes. C'est pas très bien ma technique là. Rassurez-moi, c'est pas du coussin ça. Si on dirait, non? Le jour où tu nettoies tes coussins comme ça. Moi je m'inquiète. C'est pas grave, ça va sécher. Tu sais qu'une fois j'ai vu des nettoyeurs, des sièges tissus dans les métros. Et en fait, ils ont une machine, mais géniale. Une shampouineuse, c'est un peu comme pour les moquettes aussi, ça existe. T'as peut-être déjà vu. Bon, en fait, ça envoie le liquide et le produit en même temps que ça les réaspire aussitôt. Ça marchait, mais tellement bien. J'ai regardé des vidéos de ça, tellement satisfaisant. Parce qu'en plus, t'imagines l'état des sièges dans les métros. Mais ça marche super bien aussi sur les tapis. Puis surtout, c'est super clean comme nettoyage parce que ça mouille quand même les tissus, hein, forcément. Mais le produit est réaspiré aussitôt. Donc
C'est emmerdement minimum, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Oh, mais il y avait des poussins aussi qui étaient là. Ah, ça y est, vous voyez, j'ai fini la chaîne, apparemment. Je m'en doutais qu'on finirait par repasser dessus sans le vouloir. Moi je dis quand même que heureusement qu'on est dans un jeu vidéo. Parce qu'avec la tonne de saleté qu'on vient d'enlever là, l'herbe elle serait noire en vrai. Hein. Détrompe-moi Chigo si je dis que quand on fait du karcher, la saleté dans l'eau, il faut en faire quelque chose quand même. Hein. La pelouse au quartier de Bon, je pense que j'ai fini en elle-même la balancelle là. À moins qu'il m'ait mis des pièges qu'on va voir par la suite. Il faut qu'on fasse le haut, le toit. Je peux plus bouger. Tu me laisses bouger. Merci. Si ça marche, mais faut un jet bien dispersé. Ouais, oui, voilà. Sinon, t'arraches. Tu m'étonnes, c'est tellement puissant, Karcher. Moi, que j'avais emménagé dans une maison, effectivement, sur des sols à l'extérieur. Le karcher n'avait pas été passé depuis des années. On a pas pu avoir un karcher tout de suite parce qu'un karcher ça s'achète pas quand tu l'utilises une fois par an. Hein. Tellement ça coûte cher quand même. Mais après on a fini par nous en prêter. Hein. Oh. Incroyable la capacité que ça a à décaper. Hein. Là ce qu'on voit dans le jeu c'est la réalité parfois en fait. Mais après ça dépend aussi des tâches. Là on est sous des tâches un peu chelou quand même dans ce jeu. Mais pour le coup, par exemple, les lichens, pas de soucis. Ça prend un certain temps, comme tu disais, hein, Chigo. Faut la patience, c'est vrai. J'ai pas fait, non, mais en fait, j'ai pas été rigoureuse dans ma méthodologie, là. Du coup, je sais plus ce que j'ai fait, pas fait. Ça, c'est fini. Ça c'est une ombre, ouais. Ça a été fait, c'est en face. Ouais, enfin ici à la maison, c'est un petit. Donc des fois, faut insister. Ouais, voilà, c'est ça. Nous aussi, hein, c'était un petit. Hein. C'était un petit. J'arrive pas à voir si c'est sale ou quoi. Ouais, ici, ça c'est sûr. Je vois plus trop bien où est-ce que ça peut être sale. J'ai du mal à distinguer. Donc on va passer sur le toit et puis on verra ce qu'il nous reste à faire. Il est où mon escabeau? Enfin, c'est pas un escabeau, c'est un marchepied. Je glisse.
Ah, le plaisir. C'est pas des taches, c'est moi qui hallucine. Je peux prendre mon escabeau ou non? Merci. Tu ne veux pas monter? Bah non, il n'y a pas de sens. Voilà. Tu me rends compte qu'ils ont beaucoup travaillé les sons de l'eau en fonction des matériaux. Tadam, le toit, c'est cool. Arrête-toi. Bon. Mais oui. Mais alors, ça fait pas le même bruit sur le bois que sur le tissu, sur le plastique et sur l'ardoise. T'as vu? Démonstration. Il nous manque 1%. Ah. Ah, il y a déjà un bout là. Que j'avais négligé. Ok. Alors ici j'avais dit que j'avais pas pu finir le haut et il a été fini à un moment donné. Parfait. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il n'y a pas une liste quelque part du job à faire? Histoire de m'aiguiller quand même. Détail. Ah bien. Il me manque la réserve de gaz. C'est quoi? C'est sous le barbecue, c'est ça? Ah ben oui, oh là là. Vous l'avez vu le cracra? Alors là, un petit bout là. Alors je peux pas le voir, hein. Regardez. Regardez le cracra là. Comment je fais moi? Tadam! Bon, qu'est-ce qu'il nous manque encore? Ah, il y a une faute d'orthographe quand même. Hein. Le statut c'est nettoyer mais pas le Z, hein, s'il vous plaît. Le moteur de la tondeuse et la poignée de la tondeuse. Allons-y gaiement. Oh, je me suis envolée. Le moteur de la tondeuse. Messieurs, où est le moteur de la tondeuse? C'est ça, hein? Non, c'est ça. Tadam! Et la poignée. Je sais où sont les poignées. Ne vous moquez pas. Quand même. Ne vous moquez pas. Oh, j'ai vu un moustique passer. Encore 99. Bon, bah, on retourne sur notre liste. Qu'est-ce qui nous manque? La balancelle en elle-même. Et le siège de la petite voiture. Les poteaux. Oh là là, ça va être l'enfer par contre, les poteaux et les sommets de clôture. Donc on a dit. La balancelle en elle-même. Ça va être la galère. Hein. La balancelle. C'est ça la balancelle. T'as été piqué tellement de fois. Ah non mais là c'est la palette des moustiques, c'est l'enfer. Ah 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 le piège. C'était le dessous que nous avons oublié. Non attendez, peut-être comme ça. On ira faire l'autre côté hein, parce que ça m'a l'air un peu loin. Non c'est bon, c'est passé. Et le siège ici. Tadam. Il manque deux poteaux et un sommet. Je pense que si on trouve les poteaux, on trouvera le sommet avec, parce que ça veut dire que j'ai pas été consciencieuse sur un poteau.
Oui, je vais le faire en sautant. Mais celui-là, je crois que c'est celui que j'ai fait au début. Je crois que celui-ci. Voilà, de toute façon, il n'y en a pas un milliard. C'est ça, hein, les sommets de poteaux, si j'ai bien compris. Alors après, c'est peut-être pas en dessous. Hein. Mais je dis... Ah, ça y est. On en a un. Non, c'est escape. Donc il me manque encore un sommet et un poteau. On va finir... J'étais sur celui-ci. Hein. Nous sommes des professionnels, nous faisons le job à 100%. Par contre, là, j'ai refait tous les sommets. Ça doit être en dessous. Faire ça vite parce que chercher les petits recoins, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle, moi je trouve. Ok, c'est pas par là, c'est peut-être ici. Non, c'est peut-être par là. Oh non, mais je les ai tous refaits là. C'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut le poteau? Sans blague. Je suis allée chercher mon escabeau. Il me rend dingue ce poteau. Où est mon escabeau? Est-ce que je peux courir avec mon escabeau? Non, je n'ai pas le droit de courir avec un escabeau à la main. Ah non, c'est le poteau, excusez-moi, je vais y arriver. C'était pas le haut. Le haut, il doit être bon. C'est le poteau qui est pas bon. C'est le dernier poteau qui nous manquait. Voilà. Et donc, il manque quand même un dessus, qu'il faut que je continue à chercher. Un sommet de clôture. Attendez, moi je m'échoue en même temps. Celui-ci, je l'ai trouvé. C'est celui-là. Il clignote chelou, mais c'est celui-là. Arrête. Non, mais sans blague. Sans blague. Il te faut combien de litres d'eau, le sommet, s'il te plaît? Bah non, il est fini là. Attendez. Me fait un bond d'un coup. En vrai, c'est vraiment. Aïe, je suis en train de me faire piquer encore. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Reste zen, Zani. C'est ça ici, non? Ce côté-là, non. De ce côté-là, non. En fait, sommet de clôture, il est capable de monter. Le jeu est capable de me donner dans le détail les côtés. Attends. Tu vois ici, j'ai un petit point blanc. Ce qui veut dire qu'il reste un petit nettoyage à faire. C'est un truc de ouf.
Ou alors, c'est une tâche tenace. On dirait qu'on va dans l'espace, c'est marrant. On va essayer comme on peut, hein. J'ai une idée. Genre se mettre là, de loin, pour voir vraiment ici derrière. Je suis dessus, hein. Genre je peux sauter. Ah, je suis coincée. Quand même, physique bizarre. Hein. Les années qui tentent des expériences. Alors on va faire ça. Tu sais pas faire le tour. Et bah justement. Non. Mais je me demande si. Non, ça revient au même que. Allez, relève-toi. Franchement, ça abuse Zelda. Ça, c'est pas drôle, messieurs les développeurs. Après, je le chope aussi par là, le blanc. Attends. Ou pas. Non, pas. C'est vraiment le bout qui est là. Ça se trouve, c'est sur le côté, là. Je vais aller de là-bas, je vais tirer de là-bas, de vachement loin, sur le côté. J'en sais rien, je tente des trucs. Là. Mais là du coup c'est trop long. Mais je crois que j'ai déjà essayé d'ici. On voit, il est là, hein. Je suis sur le bon côté du truc. Ah non, je me suis trompée de touche. Je peux pas faire mieux que d'être ici. C'est ouf. Et là, je suis dessus. Là, je suis. Ah, moi, là, je suis dessus. Rageant. Oh, attends. Je peux pas avancer plus, hein, je suis coincée. Mais si je fais genre ça. Non. Et tu vois, il y a un mur invisible, hein, qui m'empêche d'aller chez les voisins. Parce que j'ai bien essayé aussi par en dessous. Les ans. Ah, attends, peut-être ce que je cherchais à faire depuis tout à l'heure. Monter à. Ce marchepied est glissant. Rien à faire, hein. Regarde le petit bout qui me manque, quoi. Je me demande si c'est pas un bug à cause de l'angle, hein, à ce niveau-là. Bon, j'irai me renseigner pour me renseigner si c'est pas un bug. Parce que c'est vraiment le dernier truc qui manque. Il manque rien du tout. C'est comme si il y avait un bout de tâche qui était caché en dessous de ce bois-là, là, de cette poutre-là. Et que ça m'empêchait vraiment de faire le ménage. Parce qu'en plus, genre, voilà, j'essaie de trouver un peu des moyens détournés de faire le dessus, le dessous. Ouais, hein, ça sent le bug, hein, je suis assez d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, je vous montre quand même.
J'irai voir si c'est pas réputé comme étant un bug. Ce dernier sommet de clôture. Parce que sinon, hormis ça, je pense qu'on peut considérer qu'on a fini la mission. Ce qui est dommage, j'aurais voulu vous montrer le replay, mais on refera des lives sur ce jeu et ça sera le bon moment pour vous montrer le replay du nettoyage de ce magnifique jardin. Et peut-être de finir ce petit bout ensemble, mais déjà profitons. Ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était au départ. Moi, limite, maintenant, je veux bien vivre ici. Moi, je dis c'est un 100%. Merci, Chigo. Merci. Pour moi aussi, c'est un 100%. Après, c'est quand même dommage parce que du coup, ça valide pas le reste. Parce que si j'ai bien compris, on a de l'argent par objet nettoyé. Mais ensuite, ça me redonne une prime. Donc là, tu vois, il me manque les deux. Voilà, il doit me manquer 2 dollars pour ce sommet. Mais normalement, je dois gagner 400 dollars ici. Donc quand j'aurai fini, en plus, j'aurai 100 dollars. Donc va falloir les faire. J'espère qu'on n'est pas buggé jusqu'à la fin des temps. J'irai voir s'il y a un patch aussi. Normalement, j'ai téléchargé aujourd'hui, donc on doit être à jour. J'irai me renseigner. Sur ce minuit 10, quand même, j'ai dépassé un petit peu. Hein. C'était long, ce nettoyage. Long, mais satisfaisant. Surtout de voir le résultat à la fin. C'est dommage, le chat n'est pas revenu entre-temps. Et c'était cool. Merci, Chigo. Du coup, je vais te laisser, Chigo. Je laisse aussi ceux qui sont éventuellement par ici, puis qui se font discrets. Prenez soin de vous. Buvez beaucoup d'eau. Faites attention à vous, à vos animaux, à vos proches. Quand il fait très chaud comme ça. Et bonne fin de soirée. Je vous embrasse. Bisous, Chigo. À bientôt. À très vite. On se remettra sur ce jeu, hein, promis. Et puis sur l'autre que j'ai pas fini, qu'on va continuer aussi, qui s'appelle Call of the Sea. Voilà. Un jeu d'aventure et un jeu satisfaisant à mener l'un après l'autre. Comme ça varie un peu les plaisirs. Allez, très bonne nuit à tous. Bye!